discover with the study of Romans 8, qu'il y a beaucoup de choses importantes que le chrétien doit connaître et maîtriser. That there is a lot of things that as Christians we must master. Beaucoup de choses qu'on pense connaître. There are things that we think we already know. Mais que nous ne vivons pas. Yet we are not experiencing those things. Simplement parce que nous n'appliquons pas ces choses. Just because we don't apply them in our lives. Et au travers And le message de dimanche, through that message on Sunday, nous avons parlé de la vie éternelle. We spoke about everlasting life. 1 Jean 5, le verset 11. Our main scripture was 1 John 5, verse 11. Il dit, et voici le témoignage. And he said, and this is the testimony. Ce que Dieu c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. That God has given us eternal life. Et que cette vie est dans son Fils. And this life is in his Son. Celui qui a le Fils. He who has the Son a la vie. Has life. Celui qui n'a pas le Fils. He who does not have the Son of God n'a pas la vie. Does not have life. This is powerful. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir qu'est-ce que la vie éternelle. Today we're going to answer that question. What is eternal life? Parce que nous avons mis l'accent sur son existence. Because yes, we've put an emphasis on the fact that eternal life exists. C'est la vie que Jésus a vécu sur la terre. It is the life that Jesus Christ himself lived upon this earth. Ce n'est pas une vie qui commence quand tu meurs. It is not a life that starts the day you die. Ce n'est pas une vie parce que tu es sauvé de l'enfer. It is not a life that you are just saved from hell. Mais c'est une vie qui commence sur la terre. It is a life that actually starts on this earth. Que Jésus that Jesus Christ himself lived while he was on the earth. The apostles they experienced what that is. C'est pour cela que lorsque Jean parle, that's why when John is speaking si here, vous lisez bien les oh, il faut qu'on prie. Let us pray. Yeah, le flow a commencé, l'esprit de Dieu est là. Amen. The spirit of God is here. Let us pray. Lisons d'abord le texte et on va prier. Amen. Let's read the scripture then we'll pray. Lisons Jean 17 verset 3, c'est là que John 17 aujourd'hui. Verse 3. John 17 3. Il dit oh la vie éternelle. Say, and this eternal life. Parce que c'est une chose de savoir qu'elle existe. Because it is one thing to know that eternal life exists. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi. But now you must understand what it is. Maintenant, Jésus lui-même. So now Jesus himself. Est venu donner la vie éternelle. That came to give eternal life. Dit ce que c'est. He is telling you what it is. Il dit oh la vie say, éternelle. And this eternal life. C'est qu'ils te connaissent. Is that they may know you. Toi. You. Le seul vrai Dieu. The only true God. Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. And Jesus Christ whom you have sent. Oh la vie éternelle. And this eternal life. C'est qu'ils te connaissent. Is that they may know you. Seigneur, je prie. Lord, I pray. Que ton esprit prenne le contrôle ce matin. Let your spirit take control this morning. De ton serviteur. Of your servant. Dis ce que moi-même je peux pas dire. Father, say what I cannot say. Prends le contrôle. Take control, Lord. Et bénis ton peuple. And bless your people. Seigneur. Lord. Tu nous envoies en mission. You are sending us in a mission. Ramener les cœurs à ta We parole. We need to bring back the heart to your word. Et expliquer ta parole. Explain your word. Afin que ta parole prenne la place dans nos vies. So that your word might take its righteous place Seigneur, in our lives. Seigneur, donne-moi cette onction pour prêcher Father, ce matin. Father, give me this anointing to preach Touche this morning. Touche les cœurs, même étant Touch à distance. The heart, even from afar. Toucher assis. Whether they are sitting, they are laying down, regardes, no Seigneur, matter they are, no matter where they are watching nous from. Prions dans le nom de Jésus, oh Lord, we pray in Jesus' name. Touche pas ta parole, that you touch them by your word. Transforme une vie, Father, transform a life. Que tu glorifies ton nom, and glorify your name. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. In Jesus' name we've prayed. Amen. Amen. Voilà, merci, vous asseoir. Thank you.
Donc nous disions que so we were saying la vie éternelle, that eternal life, c'est quelque chose que Jésus a vécu. It is something that Jesus lived and experienced on the earth. Voilà, il a expérimenté cela. He experienced it on the earth. Les apôtres aussi. The apostles also ont vécu cette vie. They've experienced that life. C'est pour ça que l'apôtre Jean, that's why Apostle John, lorsqu'il présente Jésus dans les évangiles, when he introduces Jesus in the gospel, au commencement he started by saying in the beginning was the et word. La parole était avec Dieu. And the word was with et la God. Parole était Dieu. And the word was God. Au verset suivant, il dit, at the next verse, he said, elle était au commencement avec Dieu. He was in the beginning with God. Toutes choses ont été faites par elle. All things were made rien through de ce him, qui a été fait n'a été fait sans and without elle. Him, nothing was made that was made. En elle, in the word, était la verset suivant. En elle, in the word, était la vie. Was life. Ici, il parlait de Jésus. So here he was talking about il Jesus. Il introduisait Jésus comme étant he was, la parole. He was introducing Jesus as the word. C'est pour ça qu'au verset 14, il dit la parole a été faite chair. That's why he said the word was made flesh. Et elle habitait parmi nous. And the word lived among us. Elle habitait pleine de grâce et de vérité. And we behold his glory, ici, the glory. La parole était Jésus. Here the word was Jesus. Et il dit, and he said, en la parole, in the word, il y avait la vie. There was life. Donc en Jésus, so in Jesus, il y avait la vie. There was life. C'est pour cela dans 1 Jean 5 qu'on a lu. And that's why in 1 John 5:11 that we read earlier. Celui qui a le fils, said the one that has the son, a la vie. Has life. Pourquoi? Why? Parce que celui qui a la vie, because the one that has life, c'est la parole faite chair. It is the word made flesh. Alléluia. Amen. Donc dans l'évangile de Jean, so in the gospel of John, il présente Jésus comme étant celui-là qui a la vie. He introduces Jesus as the one that has life. Maintenant, lorsque il écrit 1 Jean, now when he writes 1 John, il ne présente plus Jésus. He no longer introduces il Jesus. Il présente cette vie-là. He introduces that life to you. C'est pour ça que dans 1 Jean 1 à partir du verset 1er, that's why 1 John 1 verse 1 il dit, says, ce qui était dès le commencement. What was from the beginning, 1 John 1 verse 1, ce qui était au commencement, what was in the beginning, ce que nous avons entendu, what we have heard, parce que Jésus est venu parler de cette vie-là, because pour ce moment, Jesus came to speak about that life, ce que nos yeux ont vu, what our eyes have seen. Donc la vie que Jésus a vécue, ils l'ont vu. So the life that Jesus lived, they saw it with their own eyes. Il dit, nous avons contemplé so cette vie de nos mains. We gaze at this life with our own hands. Mais leur main a touché cette vie. Their hands touched that life. Donc, concernant la parole. Concerning the word of life. Ça veut dire que la vie dont il était question. So the life that they were talking about here. Introduit par Jésus au moyen de sa parole. Introduced by Jesus through his word. Est une réalité que non seulement Jésus a vécu, mais que les apôtres aussi ont vécu. That Jesus lived, but the apostles also they lived it. C'est pour ça que dans le même texte au verset 4 il dit. That's why in the same scripture in verse 4 he says. Nous vous écrivons aussi. And we write those things. Afin que vous aussi votre joie soit parfaite. That your joy may be full. C'est-à-dire je vous écris. So I'm writing to que you. Vous aussi vous ayez part. So that you can also que vous recevez, take part. You may receive. Que vous contemplez. You might gaze in upon. Touchez, that you will touch it. Que vous expérimentez cette vie. That you will experience that life. C'est pour ça qu'au verset 2 il dit. And that's why at verse 2 car he says. Car la vie a été manifestée. The life was manifested. Ce que Adam avait dès le commencement. What Adam had in the beginning. Cette vie au-dessus de tout. That life above all things. Qu'il a perdu à cause du péché. He lost it because Christ of sin. Christ est revenu nous la donner. Christ came back to give it il to dit, us. La vie a été manifestée. Say the life was manifested. Et nous l'avons vu. And we saw it. Nous lui rendons témoignage. We give testimony. Et nous vous annonçons la vie éternelle. And we announce to you everlasting life. Qui était auprès du Père. Which was with the Father. Et qui nous a été manifesté. And was manifested to us. Oh, je prie que tu comprennes. I pray that you understand. Il y a une dimension de la parole de Dieu que tu dois toucher. There is a dimension of the word that you must touch. Cette vie-là. C'est that
that life. Ce n'est pas après ta mort. It's not after you are dead. C'est maintenant. It's right now. C'est pour ça que quand Paul parlait à Timothée. That's why when Paul was talking to Timothy. Dans 1 Timothée 6 le verset 12. 1 Timothy 6 verse 12. Il dit combat le bon combat de la foi. Fight the good fight of faith. Mais saisis la vie éternelle. You know, but catch everlasting life. Parce que get a hold. Beaucoup peuvent être convertis. Because a lot of people can be converted. Devenir chrétiens. They can become Christians. Mais ne saisissent pas la vie éternelle. But they do not lay hold of eternal life. Leur vie n'est pas une vie merveilleuse. Their life is not a wonderful life. Ils n'expérimentent pas la vie de Dieu. They don't experience the life of God. Ce matin, il faut que ça change. It must change this morning. Vous, on upgrade tout dans nos vies. We upgrade everything in our own lives. On upgrade nos téléphones. You can upgrade your phone. On upgrade nos voitures. You can upgrade your car. Nos maisons. Your house. Même nos relations. Even our relationship. Notre style de vie. The way you dress. Your lifestyle can get upgraded. Mais ce qui reste au même niveau. But the only thing that remains the same is our Christian life. Et ce matin, il faut que ça change. This morning it must change. Il faut que tu upgrades ta vie chrétienne aujourd'hui. You must upgrade your Christian life today. On ne peut pas continuer de penser de la même manière lorsqu'on avait encore 5 ou 10 ans. Thinking non. The same way like you were 5 or 10. No. No. Il y a des gens qui ne changent pas leur manière de voir. There are people that chrétienne. Don't change their mindset the way they see the Christian life. Ils pensent toujours de la they même manière. They still have the same mindset. Pourquoi? Why? Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Because they didn't understand. Et ils s'étonnent de ce qu'ils ne voient rien. And then they are surprised when they don't see anything. Frère, même Jésus même fait quelque chose de nouveau. Even Jesus is doing new things. Même Dieu même fait les choses nouvelles. God is doing new things. Il dit dans Isaïe 43 le verset 10, il dit voici je suis le prêt à faire quelque chose de nouveau. Isaiah 43 say, oh, I am about to do something new. Il est temps de changer. It is time to la change. Vie chrétienne, ce n'est pas une bonne religion. The Christian life is not a good religion. La vie chrétienne, ce n'est pas le greatest religion in the world. The Christian life is not about the greatest religion in the world. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ dans l'homme. The Christian life is the life of Jesus Christ inside a human being. C'est la divinité au travail dans l'humanité. It is divinity working in humanity. Alléluia. Amen. C'est Christ vivant en it toi. It is Christ alive in me. Et c'est ce que Paul dit, si je vis. And that's why Paul said, if I live. Ce n'est plus it moi is qui no vis. Longer I that mais live. Mais c'est Christ qui but vit Jesus en moi. But Jesus Christ that lives inside of me. Dans la vie que j'ai en tant que chrétien. So the life I have as a Christian. Ce n'est pas ma vie. It's not my life. C'est la vie de Christ en moi. It's the life of Jesus Christ in me. Alléluia. Amen. Et si cette vie est présente. And if this life is present. Elle est remplie de possibilités. It is full of possibilities. Ça veut dire que quand Dieu nous donne cette vie. When God gives us this life. Elle ne vient pas à moitié. It doesn't come halfway. Elle est remplie de potentialités. Full of potential. Ça veut dire que si cette vie est en toi, if that life is in you, il doit arriver un niveau de manifestation quand on regarde, on sait que ça c'est Dieu. We need to get to a level of manifestation where we know this is truly God. Elle doit produire des choses qui reflètent that life must produce la présence de Dieu. That reflect the presence of God. Écoutez-moi bien. Listen. Si cette vie-là if this life a touché les ossements de quelqu'un qui était mort. Touch the bones of somebody that was dead. Et a redonné la vie. And those bones came back alive again. Et Christ n'était pas encore ressuscité. And Christ was not risen yet. C'est-à-dire les ossements d'Élie, you know, the dry bones of Elisha. Il était mort. He was dead. Ces ossements, dry bones, ont touché un mort. Touch a dead person and he produced life. Si des mouchoirs if handkerchief qui touchaient le corps des apôtres guérissaient that touched the body of the apostle could heal people of all type of disease. C'est une réalité. It is something real. Ce n'est pas un mythe. Something tangible. It's not il a myth. Il est temps que tu upgrades ta spiritual life. You must upgrade your spiritual life. Tu n'as pas avancé au point où maintenant même tu es en train de reculer. You know you are not moving forward. Right now you are even going backward. Ce matin, this morning, je suis venu te dire, I came to tell que you, Dieu t'a donné la vie éternelle. God gave you everlasting life. Et c'est une réalité. It is a reality. C'est une vie. It is a life qui est
soutenu par l'Esprit de Dieu. That is supported by the Spirit of God. Dans quelques jours, in a few days, on va fêter la Pentecôte. We're gonna celebrate the Pentecost. Ça sera encore une autre Pentecôte. It will be another one again. Alors que Jésus a dit, but yet Jesus said, lorsque l'Esprit de vérité viendra, when the Spirit of truth will come, il prendra de ce que je vous ai enseigné, he will take of what I taught you, et il vous le fera connaître. And he will make it known ça to you. Il va manifester la parole que vous lisez. He will manifest the word that you are reading. Le Saint-Esprit, c'est pas juste pour parler en langue seulement. The Holy Ghost is not just to il speak in tongues. Il pour rendre la réalité de la vie chrétienne palpable. He came to make the reality of our Christian life real. C'est une vie. It is a life qui est soutenue par l'Esprit de Dieu, la vie éternelle. That is sustained and supported by the Holy Ghost. C'est pour ça que dans Romains 8 il dit. That's why in Romans 8 si he said. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. If the Holy Ghost of the Holy Spirit of the one that resurrected Jesus Christ from the dead. Habite en vous. Actually live inside of you. Il rendra la vie. He will make life. À votre corps mortel. He will give life to your mortal bodies. So the presence of the Holy Spirit valide la vie éternelle en toi. Validates everlasting life in you. Si le Saint-Esprit est en toi, if the Holy Spirit is in you, cette vie aussi est en toi. That life is also in you. C'est une vie qui est soutenue par l'Esprit de that Dieu. That life is supported by the Spirit of God. C'est une vie it's a life qui tient sa base that has his roots dans l'Esprit de Dieu. From the Spirit. Et aujourd'hui, and today, je ne veux pas que tu reçoives le Saint-Esprit pour le recevoir seulement. I don't want you to just receive the Holy Ghost faut to receive que cette him. Pentecôte qui arrive, the Pentecost that is coming. Je dois libérer la vie de Dieu au moyen de l'Esprit que I j'ai need reçu. To release the life of God through the Holy Spirit that lives in Alléluia. Me. Alléluia. Donc, nous allons continuer. C'était so let's carry on. Juste l'introduction, le résumé. Was just the introduction. Alléluia. Alléluia. C'était juste le résumé. Amen. The summary. la vie éternelle est un don de Dieu. Everlasting life is a gift from c'est God. C'est la nature de Dieu dans l'âme de l'homme. It is the nature of God in the soul of man. Supplantant sa vie naturelle. You know, way above your natural life. Dieu vient dans ta vie. God comes inside into your life. Maintenant, vous me connaissez, je suis quelqu'un de très profond. You know, I'm somebody that's very deep. Je ne m'arrête pas à ça. I'm not gonna stop there. J'ai commencé à poser des questions au Seigneur. I started to ask questions to the Lord. Mais si on l'a reçu. So, Father, if we have received this eternal life. Qu'est-ce qui empêche sa manifestation? What is preventing us from manifesting eternal life? C'est pour cela qu'on va dans le texte qu'on a lu. So we will go back to the scripture we read. Dans Jean 17, John 17, il dit, he said, à partir du verset 3, verse 3, il nous donne une clé importante. He's giving us a key. Ouh là là, une clé very important key. Very important key. Il dit, he said, oh, la vie éternelle. C'est and this eternal life. C'est qu'ils te connaissent. It's that they may know you. Vous savez, il y a une différence entre avoir des informations sur une personne et puis connaître cette personne. You know that there is a big difference between having information about somebody and actually knowing somebody. Il y a des gens qui peuvent parler de toi sans même te connaître. There are people that can talk about you and they don't even know you. Mais il y a des gens qui te connaissent et qui te connaissent. And there are people that know you. Parce qu'ils ont eu une expérience avec toi. Because they've had an experience with you. Ils t'ont rencontré. They've met you. Ils t'ont étudié. They've studied you. Ils savent qui tu es. They know who you are. Même si c'est pas la totalité. Even if they don't know everything that you mais are. Dis moi je connais pasteur Landry. They can testify and je say connais pasteur I know Olivier. Pasteur Landry. Je connais pasteur I Moses. I know pasteur Moses. Pourquoi? Parce que why? J'ai une relation avec eux. Because I had a relationship with them. Donc ici il dit so here he says, la vie éternelle qu'on a reçue par le Fils. The everlasting life we received through the Son. Elle est manifestée par le Saint-Esprit, c'est it's vrai. Manifested by the Holy Ghost, yes. Mais au
moyen de la connaissance. But true knowledge. Écoutez-moi très bien. Please listen carefully. Au moyen de la connaissance. True knowledge. Mais ici, on a un problème. But here we have a problem. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu par imposition des mains. You cannot get to know God by the laying of the hands on your head. Tu ne peux pas connaître Dieu simplement en visitant l'église. You cannot get to know God just by visiting church. Connaître Dieu requiert une évolution avec Dieu. To know God requires you to go through a journey with God. Une augmentation de connaissance jour après jour. You have to increase your knowledge about God day after day. Connaître Dieu requiert une croissance spirituelle. Knowing God requires spiritual growth in our lives. C'est pour cela qu'il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. That's why he said as long as the heir remains a child. Ce n'est pas ton âge. It's not about your age. C'est ta maturité dans le royaume. It is your maturity in the kingdom of Donc, God. Tu peux faire 50 ans dans l'église. You can be in the church for 50 tous years. Les hommes de Dieu de la you terre. Know all the men of God. Mais rester un enfant. Yet you are spiritually Parce que a child. N'as pas grandi. Because you did not grow. Je peux aider quelqu'un. Can I help somebody C'est this morning? Que il nous exhorte. That's why he's exhorting us. À grandir. To grow. À se développer. To develop. Prenons ensemble une thèse, vous allez voir. Let's take a passage. Il dit dans 1 Pierre 2 le verset 2. 1 Peter 2 verse 2. Oui. Oh my God. Vous savez Dieu. Dis avec God. Moi Dieu. God. Dieu. Il dit dans le livre de Actes 20 le verset 32. Acts 20 32. Il dit, il faut garder ce texte, on va revenir là. Il dit, he said, acte 20, verset 32, il dit, et maintenant, acte 20, 32, je vous recommande à la grâce de Dieu. Say now, brethren, I commend you to God and to the word of his et grace. Et à la parole de sa grâce. Ouh là là. To the word of his grace. Qui peut édifier. Which is able to build you. Et vous donner l'héritage. Build you up. And give you an inheritance. Savez, avant de parler d'héritage, il parle de build you up. You know, before he mentioned inheritance, he said the build you up. C'est pour ça que lorsque tu es un petit, quand tu es enfant, tu demandes une voiture, on te donne un jouet. That's why when you are a child and you ask for a car, they'll give you a toy, Mais a car toy. Mais lorsque tu es devenu mature, but when you become mature, ce n'est plus un jouet qu'on te donne, c'est une vraie voiture. They no longer are gonna give you a toy. They're gonna give you an actual real car. Dans le royaume des cieux, c'est pareil. In the kingdom of God, it's the same. Il dit, je vous recommande, je vous laisse. He said, I'm leaving you, I commend you to God. À Dieu d'abord. First to God. Mais à sa parole. But also to his Quelle word. La capacité de vous faire grandir. The word that has the ability afin to de make you grow. So that you can inherit. Écoutez-moi bien. Vous n'allez jamais hériter de Dieu sans maturité spirituelle. You can never inherit from God without being spiritually mature. Et c'est pour cela que Dieu, Jésus, en partant, dit dans Éphésiens. That's why Jesus, when he was leaving, he said in Ephesians. Il a laissé des dons à l'église. Je crois que c'est Éphésiens 4, verset 11. Ephesians 4, 11. Dans les dons. He left some gifts to the church. Il y avait les prophètes. Les pasteurs, there les was apostles, the prophets, the evangelists. Mais il y a aussi les docteurs. But also teachers. Qui doivent enseigner la parole. Teachers that have to teach la the clé word. Pour pouvoir grandir. And that's the key to grow C'est spiritually. Parce que Jésus est mort, Pasteur Landry. That's why when Jesus died. 72 ans suffit pour que tous les profs, les apôtres quittent. Only 3 days were enough for all the apostles to leave. 72 ans ne les a pas retenus dans le ministère. 72 hours did not keep les them in the ministry. Les miracles ne les ont pas retenus dans the le ministère. The miracles did not keep them in the ministry. Tous les miracles que Jésus a fait. All the miracles that Jesus performed. It was not enough for them Parce to stay. Parce qu'ils n'étaient pas matures. Because they were not ils mature. Ils n'avaient pas grandi. They did not C'est grow. Quand Jésus est parti, ils sont retournés. That's why when Jesus left, they went
pas. Les miracles. The miracles. Ne garantissent pas la maturité spirituelle. Do not guarantee spiritual maturity. Jésus dit quand tu seras converti. Jesus said when you will be converted. Il y a un niveau de croissance. There is a level of growth. C'est pour ça que le mystère de l'enseignement est important. That's why the mystery of teaching teachers is important. A lot of people are bored when we preach. They don't understand. C'est la clé pour eux de manifester la vie éternelle. For them to manifest everlasting life. Lié à la connaissance everlasting de life is Dieu. Tied to the knowledge of God. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Pierre qu'on voit, il dit 1 That's Pierre why 2, he said 2, in 1 Peter 2 verse 2. Il dit désirez comme des enfants. C'est desire like children. Nouveau-nés. As newborn, le newborn babies. Desire the pure milk of the word. Le pure milk. The pure milk of the word. That you may grow. Yes. Comment toi tu veux grandir? How do you want to grow? Si tu n'as pas ce temps-là avec la parole de Dieu. If you don't spend time with the word of God. Jésus même a dit. Hein, even Jesus said. Dit l'homme ne vivra pas de pain seul. Men shall not just live by bread alone. La vie spirituelle est une vie qui est nourrie par la parole de Dieu. A spiritual life is fed by the word of C'est God. C'est pour ça que tu as upgradé tout dans ta vie sauf ta vie spirituelle. That's why you are upgrading everything in your life except your spiritual life. Parce que pour que ta vie spirituelle puisse updated, because for your spiritual life to be upgraded, tu as besoin de la parole de Dieu. You need the word of God. Hello. Hi. 2 Pierre 3. Mettons, on va lire, je vais le donner les paroles. Pierre met l'accent sur la croissance. Peter is putting an emphasis on growth. Et parce qu'il a compris. Because he understood. Comme il n'avait pas grandi. Since they were not mature, il était parti. C'est la maturité. They had left. It is the maturity qui a fait que au point il a accepté de mourir comme il est mort. That made him accept to die the way he died. La maturité n'est pas quelque chose que tu peux mettre de côté. Elle s'impose à toi. Maturity is not optional. It is required of you to be mature. Alléluia. Amen. Il dit. He said. Dans 2 Pierre 3 verset 18. 2 Peter 3 verse 18. Il dit mais. Said but. Croissi dans la grâce. Grow in the grace. Donc, grow. C'est possible. Oh là là. So it is possible. D'avoir une grâce en 2021. To have a grace in 2021. Et d'avoir une grâce supérieure en 2022. And to have a superior one in 2022. Wow. Il est possible d'avoir une grâce supérieure. It is possible to have a superior grace. Tu peux monter en grâce. You can grow in grace. La grâce c'est ce que Dieu peut faire pour toi. And the grace is what God can do for you. Donc, tu es capable d'arriver à un niveau où Dieu peut faire de grandes choses à cause de la so grâce. So you are able to do great things because of the great grace of God. Par la connaissance. True knowledge. Il met l'accent sur la connaissance. He's putting an emphasis on knowledge. La connaissance de Dieu. The knowledge of God. Est la clé. It's the key. De la vie. Spirituel is the key of the spiritual life of God. Maintenant, connaître Dieu. Now to know God. Rapidement pour ceux qui prennent note. Very quickly for those of you that are taking notes. Il dit connaître Dieu. To know God. C'est connaître comme Adam a connu Ève. It is to know the way Adam knew Eve. Dans Jean 17, le verset 3, il dit que la vie éternelle, c'est de te connaître. John 17, verse 3, il dit, eternal life is that they la may know you. La notion ici, the knowing here, c'est comme dans Genèse 4, verset 1, quand it's la like vie Genesis dit que Adam 4, verse 1. It's like Eve. Adam knew Eve. Elle parle ici d'une intimité. Here, we are talking about intimacy. Jésus est venu pour qu'on puisse connaître Dieu au moyen d'une relation avec Dieu. Jesus came so that we may know God
through our relationship we have with vous him. Vous pouvez lire toute la Bible. You can read the whole entire Bible. It will just be information. Mais votre relation avec Dieu, but your relationship va transformer with cette information en la vie, en la parole de Dieu. Will transform that information. C'est votre intimité avec Dieu. Your intimacy with God. Qui vous donne de connaître Dieu de façon personnelle. Will allow you to know God personally. Vous avez une expérience. You have an experience. Un encounter, comme an encounter. Alors an encounter. Et si vous écrivez ça. Write this down. Une rencontre ou un encounter. You know, an encounter. C'est une expérience. It is an experience. Qui apporte la réalité d'une personne. That brings the reality of someone. Un principe à ton esprit. Or a principle in your mind. Elle crée une conviction. It creates a conviction. Que la personne existe. That person truly exists. Que ce principe est réel. That this principle is actually a real donc, principle. Une rencontre, un encounter, so an encounter, c'est une expérience. It is an experience. D'une personne, of somebody, a person, principe, a principle qui apporte that brings la réalité de cette chose à ton esprit. The reality of that thing. In your mind, your spirit. Écoutez, si vous n'avez jamais vu la tour Eiffel, you know, if you've never seen the Eiffel Tower, que vous n'avez pas vu les photos, you haven't seen pictures, et qu'on vous dit que ça existe, and they tell you that it actually exists, vous pouvez avoir des doutes. You might have some doubts. Mais le jour où vous mettez vos pieds à Paris, but the day you actually go to Paris, vous prenez une photo, and you go, en dessous de la tour Eiffel, take a picture under the Eiffel Tower, il n'y a rien qui va venir vous dire que ça n'existe nothing, pas. Nobody can come and convince you that it doesn't exist. Donc pas le moyen de notre intimité. So through our intimacy with God, Dieu essaie de créer une réalité de son existence à notre esprit. God is creating a reality of his existence in our spirit. Et crée une conviction dans ton cœur. It creates a conviction in your mind. Parce que sans expérience, sans rencontre, il n'y a pas de conviction. Because without experience, without meeting, an encounter, there is no conviction. C'est pour ça qu'on dit. That's why we say. Connaître Dieu écrit. To know God. C'est percevoir avec certitude. It is to perceive with certainty. C'est comprendre clairement. It is to understand clearly. Savoir une conception, une perception de la vérité. Have a conception, a perception of truth. Des faits ou de tout ce qui existe. Of everything that exists. Ça veut dire que si j'ai dit je connais mon téléphone. You know, if I say that I actually know my phone. J'ai une conception claire de mon téléphone. I know how to use it well. I understand it. Ça enlève tous les doutes dans mon esprit. There will be no more doubt in my mind. Ça veut dire que si je dis que je connais Dieu. So if I say that I know God. Je ne peux pas douter de Dieu. I cannot doubt of him. Aujourd'hui, today, la vie que les chrétiens ont, life that the Christians cette have, vie de peur, they are afraid, a life of fear, uncertitude, de crainte, fear, doubt, it's based sur le fait qu'on connaît pas Dieu, on the fact that we don't know God at all. Celui qui connaît Dieu, the one that knows God, dans le livre de Daniel 11, le verset 32, Daniel 11, 32, la partie B dit, mais ceux du peuple, c'est those of the people qui connaîtront Dieu, that will know their God. Il ne parle pas ici de connaître Dieu en général. He's not just saying that you know God in general. Mais il parle de Dieu. You know, he said their God. Ça engage ici une relation personnelle. There is a relationship, a personal relationship with their God. La Bible dit que puisqu'ils connaissent Dieu, the Bible says since they know their God, il y a deux résultats qui sortent. There are two results. La première, number one, ils seront forts. They shall be strong. Yes. Un chrétien qui n'est pas fort est un chrétien qui connaît pas a Dieu. A Christian that is not strong is a Christian that doesn't know God. On ne parle pas de force physique, mais we de are force not talking spirituelle. About physical strength, but spiritual strength. Qui devant tous les challenges de ta vie, tu and ne paniques pas. And that in front of pas. The challenges of your life, you actually don't c'est panic. C'est possible d'arriver à un niveau où ta confiance en Dieu est telle que rien ne peut te faire it's peur. It's possible to get to a level where you trust God so much that you si are not afraid of anything. Pas,
Les compagnons de Daniel n'allaient pas être mentionnés dans la Bible. Daniel's friend would not have been mentioned in the Bible. Ils ont été mentionnés, ça veut dire qu'il y a une dimension où on peut arriver dans notre connaissance, where you can get in the knowledge of God, where fear has no place at all. Et la Bible dit que de deux, the Bible says number two, ils feront des exploits. They will carry out great exploits. Dans tous les domaines de notre in vie. In every areas of their lives. La connaissance de Dieu produit des exploits. The knowledge of God must produce exploits. Combien de temps tu as pris pour connaître Dieu? How much did you invest to know God? Tu sers un Dieu que tu connais pas. You are serving a God that you don't even know. Tu rentres dans la religion. You are in religion. Lorsque David a péché, when David sinned, la Bible dit que le prophète est venu lui dire. The Bible says that the prophet came to tell David. Trois calamités. Choose three calamities qui vont t'arriver. That will happen to soit you. Soit tu fuis devant tes ennemis. Or you run away from your enemies. La peste vient. The pest come in the land. David dit. David said. Il est préférable. It's better. Que je tombe dans les mains de Dieu. It's better for me to fall in the hands of God. Que de tomber dans les mains des hommes. Than to fall in parce the hands of men. Parce que David a connu un côté de Dieu qu'on appelait la miséricorde because de Dieu. David knew a side of God that they called the mercy of God. Dans les mains de Dieu que des hommes. It's better to fall in parce the hands of God than the hands of men. De Dieu, je peux because activer. There is a side of God I can activate. C'est pour ça. That's why. Qu'il dit à son fils Salomon. He told his son Solomon. Apprends. Learn. À bien connaître le Dieu que j'ai servi. The God that I have served. La connaissance de Dieu, the knowledge of God, c'est ce qui produit la vie. Produces life. Peu de connaissances, little knowledge, ta vie est comme elle est. That's why your life is the et way elle it restera is comme elle est. And you will remain the same. C'est pour ça que Pierre insiste. That's why Peter is insisting. Et il insiste, il dit, he tu said, dois grandir. You must grow. Ah, alléluia. Tu dois grandir. Dieu nous a appelés. God called us pour qu'on soit en communion avec lui. So that we may be in communion with him. La première des choses pour number gagner one, temps, connaître Dieu. To know God passe par la communion avec Dieu. Goes through the communion with God. C'est pour cela. That's why. Pasteur Landry vous a prêché. Pasteur Landry preached to on you. On a reçu un esprit. We have received a spirit. Quel esprit? Power. D'adoption. Spirit of adoption. Qui crie Abba Père. That shout Abba Father. Vous ne pourrez pas servir Dieu comme les anges servent Dieu. You can never serve God the way the angels serve God. Dieu n'a pas besoin de serviteurs, il a besoin de fils. God does not need servants. He actually needs sons. Les serviteurs étaient les anges. Servants were angels. Ils sont plus puissants dans tout. Ils chantent mieux que toi, ils jouent mieux que toi. They are more powerful than you. They sing better than you. They play more better than you. Mais ils n'ont pas la communion que toi tu as avec Dieu. But they don't have the communion that you have with God. Aujourd'hui, today, quelle est ta communion avec Dieu? What is your communion with God? Tu viens à l'église. You come to church. Comme d'habitude. Like ça usual. Ça devient une routine pour toi. It's just a routine for you. Où ça n'impacte plus ta vie. And there is no more impact in your quelle life. Quelle est la dernière fois où tu as pris le temps when pour was jeûner the last juste pour time ta communion avec Dieu? You fasted for your communion with God. Hello. Hi. Dieu bénis-moi. Oh, God bless me. Ça vient à partir de ta relation. It comes from the relationship you have with God. Ton ministère. Your ministry. Vient de ta relation avec Dieu. Comes from your relationship with God. Ta prédication vient de ta sermon, relation avec Dieu. Your sermon. Your relationship ta with God. Your blessings. Vient de ta relation avec your Dieu. Your relationship tout with God. Tout sort de la relation avec Dieu. Everything comes from the relationship quand with God. Quand vous lisez la parole de Dieu. When you read the word. La Bible dit, the Bible says, dans 1 Corinthiens 1, je crois, le verset 9. 1 Corinthiens 1, 9. Il dit, Dieu est fidèle. Say, God is lui faithful. Lui qui vous a appelé. By whom you were called. À la communion, fellowship with his. Into the fellowship of his son, Jesus Christ our Lord. Is faithful. He is a faithful écoutez, God.
On a été appelé we were called pour une communion avec Dieu. For fellowship with God. C'est de cette communion it is about that que communion la vie éternelle commence à être that active. Everlasting life is triggered. Ok. Je sais que vous aimez bien les exemples. I know you like examples. Let me go deeper. La vie éternelle, everlasting life, on l'a reçue quand Christ est venu. We receive it when Christ Quelqu'un came. Me dit Amen très fort. Dis-moi Amen. Amen encore. Amen. Le seul problème, the only problem, c'est que la vie qu'on a reçue, is that the life we receive, on l'a reçue de manière, comment on appelle ça, comme une semence. We receive it like a seed. Cette vie, that life, est une semence. It's a seed. Parce que Moses, tu vas m'expliquer quelque chose. Parce que Moses, you will explain something to me. Lorsque un enfant est conçu, when a child is conceived, qu'est-ce qui nous empêche de connaître le sexe de cet enfant avant un certain moment? What prevents you from knowing the gender before a certain time? Hello. C'est le temps. It is time that prevents you. Ça veut dire que l'enfant qui est conçu, so the child that is conceived, on ne connaîtra ni son sexe, we will not know the gender, nothing about him, nothing about that child, si le temps ne fait pas son travail. If time does not do its work. Donc ça veut dire que c'est le temps, so it's time, qui permet à cette semence that allow that seed de démontrer ce qu'elle a en elle. To show what it has inside donc, of it. C'est la croissance. So it's the growth. Ou le développement. The development of the child that will allow. Parce que on sache. That people will know. Si ça sera une fille ou un garçon. If it's a boy or a girl. Maintenant je vous pose une question. Now let me ask you. À quel moment Dieu ajoute les oreilles? Ah, at what time does God add the ears to that child? À quel moment les bras viennent? When does the arms are formed in the womb? Est-ce que l'enfant grandit et puis Dieu dit attends j'ajoute les bras? Is the child growing and then God say oh hold on I forgot the arms let me give you arms now? Ça veut dire que le jour l'enfant a été conçu, that very day that child was conceived, tout ce que l'enfant sera, everything that child is supposed to be and will be, it's already there. Mais c'est le temps, le développement. Only time and development. Qui permet de savoir les habiletés que l'enfant aura. Will allow you to know the abilities of that child. À quel moment Dieu te donne l'intelligence? When does God give you the intelligence? C'est quand tu as 10 ans. When you are 10? No. Oh God. Ok, allons dans la parole de Dieu. Let's go to the word. Lisons ensemble 2 Pierre. 2 Peter. 2 Pierre 1 verset 3. 2 Peter 1 verse 3. C'est ce que Pierre essaie de nous dire. That's why Peter is trying to il tell comme us. Comme sa divine puissance. Okay. As his divine power has given to us. Uh-huh. Tout ce qui contribue à la vie et à all la piété. All things that pertain to life and godliness. Au moyen de la connaissance. Through the knowledge. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. J'ai bientôt fini. Au moyen de la connaissance. Through the knowledge. De celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et sa vertu. Of him who called us by glory and virtue. Oh, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, je ne peux pas avoir une vie qui n'est pas une vie glorieuse. The day I discovered this, I said, I cannot have a life that is not a glorious il life. Il nous a appelés. Say, he has called us. He has called us. À une vie d'excellence et à une to vie a de life gloire. Of glory and excellence. The word virtue here means excellence. Une vie en dehors de I cannot live a life that is désolé. Outside of excellence la vie and glory. Qu'on a reçu, everlasting c'est life un that appel we receive. À une vie de gloire et d'excellence. We are called to a life of excellence and glory. Maintenant, ce qui me choque ici. Now, what is shocking il here? Dit he said que faut mettre le verset 2. Verse 2. Il dit que la grâce, vous savez, c'est grace. Pas, tu sais quoi? Mets le verset 1. Go to verse 1. Je vais m'attarder dessus. Oh God, Jesus, les bras. Ah, je prie.
que tu comprennes la parole de Dieu. I pray that you truly understand the word. C'est dit, regarde bien ce qu'il dit. Look at what he said. Il dit Simon Pierre. C'est Simon Peter. Serviteur et apôtre de Jésus. A servant, a bond servant of an apostle of Jesus Christ. À ceux qui ont reçu en partage une foi, la même foi que la nôtre. To those who have obtained like precious faith with us. C'est-à-dire que il s'adresse pas aux païens, il parle aux chrétiens comme He's comme talking lui. To the Christian like us. Il dit qui ont la même foi. They have the same faith. Il continue au verset 2 pour dire que la grâce c'est grace et la paix soient multipliées and peace be multiplied to par you la connaissance. In the knowledge. Il nous invite He's inviting us à la multiplication. To multiplication. Oh God, il n'y a pas d'église ici. Il nous invite à la multiplication. Inviting us to multiplication. Vous savez, 10 plus 10, ça fait 20. 10 plus 10 equals 20. Mais 10 fois 10, ça fait 100. 10 times 10, that's 100 right there. Si tu es d'accord et tu es confortable avec l'addition de Dieu, c'est bon. If you are good with the addition of God, that's good. Mais il y a une dimension de multiplication. But there is a level of multiplication. Et cette multiplication, and that multiplication, elle s'opère par la connaissance de Dieu. Is operated by the knowledge of God. Ça veut dire que plus de connaissances que tu as, the more knowledge you have, plus tu es multiplié par Dieu. The more you are multiplied. Tout ce que tu touches est multiplié à cause Everything de la connaissance. Everything you touch will be multiplied because of the knowledge. Donc il y a une dimension. So there is a dimension. La vie éternelle. Everlasting life. Elle doit se multiplier. Must be multiplied. Parce qu'on l'a reçu comme une semence. Because we receive it as a seed. Et c'est pour ça qu'il continue pour dire. That's what he carries on to say. Verset 3, il dit. Non, mais c'est ça. Comme sa divine puissance nous a donné. As his divine power has given to us. Elle ne va pas te donner. It's not he will give it to you in the future. It's not about the future. It's not he will give it to you. Ça veut dire que le plan original de Dieu. The original plan of God. C'est comme quand un enfant a été conçu. It's like the day the child is conceived. Sa peau. The skin color, son visage, the face, sa taille, the height, tout ça là, everything, ça rentre le jour de la conception. It comes on the day of conception. Le seul problème, the only thing, c'est que c'est un œuf. Is that it's just a little egg? It's et a little seed se that has to grow and develop. Sinon, otherwise, la vie chrétienne va être un slogan. Christian life will be a slogan for you. Oh, j'ai la vie éternelle. Oh, I have everlasting life. Si elle reste en forme de semence, but if it remains a seed in your elle life, ne pourra rien produire. It will not produce C'est ce que anything. Jésus enseignait pour dire. Si That's le what Jesus taught to say. If the grain of wheat meurt, does not go si in the ground to die, if it doesn't go to the process, produire, it cannot grow anything. Tu as cette vie là mais encore en ce stade embryonnaire. You have that life but it's still like a seed. Oh God. C'est pour cela. That's why. Verset 4. Mais le verset 4 pardon. Je vais revenir dessus. Verset 4. Verse 4. Il dit. He said. Mais le verset suivant. Il dit, passe-moi Moïse sur moi, suivez-moi. À cause de ce que cette ville est là. But also for this very reason. Mais non, faites des efforts. Giving all diligence. Pour ajouter à votre foi. Add to your faith. Seven things. Qui sont. That are. Indispensable pour que cette vie-là grandisse. Those seven elements are necessary for this life Est-ce to grow. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu? Do you have people that love the word? Écoutez-moi bien. Je veux prêcher à des gens qui ont envie de I se multiplier. I want to preach to those people that want to get multiplied. They want to multiply. Mets le verset 2 d'abord. Put verse 2. On va repartir. Est-ce que là ça va? Verset 2. Il dit que cette paix soit multipliée, d'accord? Say, grace and peace be multiplied to you. Verset 3. Verse 3. Il dit sa divine puissance As nous his a divine donné, power that he has given tout to ce us, qui contribue. All things that pertain. Il n'a pas dit. He did not say.
va nous donner. He will give to you in the future. Il nous he a donné. He has already given to us. When the Bible says donné, that God has given it to you, tu l'as déjà. You already have it. Le problème, c'est que si tu ne sais pas où ça y est, if you don't know where it is, tu vas chercher des choses que tu as déjà ailleurs. You're gonna try to find things. I'm gonna preach. You're gonna try to find things outside that you already have. Tu vas chercher. You will go and try to find things ailleurs, outside. Les choses que tu things as that déjà. You already have. Alléluia. Tu vas les regarder dans des endroits go to places où tu ne dois pas chercher. Where you are not supposed to look for those things. Alléluia. Le jour un enfant est conçu, tout ce dont il a besoin. The day a child is conceived, everything he needs is inside of him. Alléluia. Dieu met tout, tout ce qui manque, c'est God le développement. God put everything. You just have to wait for the child to be developed. Plus il se développe, the more he grows and mature. Tu vas dire mais ah. You will say but. Seigneur. Lord. Si j'ai déjà. If I already have. Why am I still looking for it? I'm asking you actually, why are you still looking for it? Parce que tu as déjà. You have it already. Tu vas dire, oh, je cherche ma paix. Oh, I'm looking for my peace. Ta paix. You have your peace already. Il dit tout ce qui contribue c'est à la vie. Everything that contributes to life. Est déjà là. It's already inside et of you. Et en plus de cela, il t'a donné même la puissance. And he gave you power. Vous savez, lorsque vous achetez certains modèles de voitures, you know when you buy some type of cars, la même marque, same brand, huh? Le même modèle, same model, ça vient avec différentes options. It has different options. Lorsque tu prends une ES, when you une take LS, ES, a Mercedes ES or non, LS, non, pas Mercedes. Oh, it's not Mercedes. Okay, okay, sorry. Mais ES or LS. Ça veut dire que ça diffère avec les options. So, according to the option that the car comes with. Mais lorsque tu prends une full option. But when you take a car that is fully full option, fully loaded, tout okay. Ce que les autres n'ont pas, tu as ça. Everything that other people do not have, you have everything. Le salut est fully loaded. Salvation is actually a fully loaded gift. Il n'y a rien dans ton salut. There is nothing in your salvation that you lack. Il n'y a rien qui manque. There is nothing lacking in your salvation. Il n'y a rien qui manque. Nothing lacking. Le seul problème, c'est que tu n'es pas développé. The only problem is that you are not developed. Tu ne mets pas le temps sur ces choses. You are not maturing. You Alléluia. Are not putting time, investing Alléluia. Time on those things. Ah, c'est pour ça qu'il allait cacher toutes ces choses qu'il nous a données. Regarde le verset see, 4. Look at verse 4. He went to hide all those il things. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. By which has been given to us exceeding greatly and precious promises, that through these you may be partaker of la the joie, divine nature. Le bonheur, joy, tout happiness. Ce que tu cherches est caché everything dans cette vie que tu as that reçu. You are looking for. Is in this life that you already received. Et c'est tellement puissant que il dit. So powerful that he said. Si elle se développe. If it develops. Tu vas fuir la corruption qui existe dans ce monde. You will escape the corruption that is in the world. La corruption là, c'est pas le vol. Corruption over here is not. It's not stealing something. Ça veut dire que tout ce qui détruit les vies. Everything that is destroying life. You know, you would escape those things. He cannot touch you. C'est pour ça qu'il dit. That's why he said. Au verset maintenant 5. Verse 5. Il dit maintenant faites des efforts. But also for this reason. Giving all diligence. Et giving all. Dis encore. Giving all diligence. Frère, tu sais ce que ça veut dire? Do you know what that means? Ça veut dire que aussi longtemps, regarde maintenant, il finit de citer les choses. Il dit, so je vais revenir dessus une prochaine he's fois. Giving you those il dit, things. Faites tous vos efforts so pour jouer la foi avec giving all diligence, add to your faith virtue. Knowledge. Virtue of knowledge to virtue knowledge. Knowledge. To knowledge, add self-control. Perseverance. To self-control, add perseverance. Verset suivant. To perseverance, add godliness. Godliness, l'amour. To godliness, brotherly kindness. Verset suivant. And to brotherly kindness, love. Maintenant. Say, okay, now. Écoutez. Okay, wait. Pasteur Moses, je ne sais pas si tu vois. Maxime, écoute, il dit. Listen. On va résumer. Okay, hein, we're gonna summarize. Jesus Christ.
la vie que tu mènes. C'est the life you are living. You've chosen that life. Si tu ne produis rien dans ta vie, if you are not producing anything, c'est ta propre faute. It's your fault. Parce que il dit, he said, la vie que tu as reçue, the life you received, elle est au stade embryonnaire. It is still a seed. Ces choses-là, those things, ne vont pas ajouter quelque chose à la vie que tu as reçue. They cannot add anything to the life you've received. Mais elles sont le terrain sur lequel cette vie-là peut se développer. But it is actually on that field that that life can develop and grow inside of you. Et il dit si ces choses, say, if those things, sont en abondance en vous, abound in you, elle ne vous laissera point oisif ni stérile. You will neither be barren nor unfruitful. Pour la connaissance de notre in the knowledge of our Lord Jesus Christ. C'est que lorsque la foi, à la fois tu ajoutes so la when to faith you add knowledge, la vertu, virtue, perseverance, all those seven elements we mentioned earlier, la vie de Dieu commence à produire. The life of God will produce. Quand il dit ajoutez à votre foi la connaissance, when he say add to your faith knowledge, who told you that faith is barren? La foi vient par quoi? Faith comes by what? Par ce qu'on entend. By hearing. Ce qu'on entend, c'est hearing quoi? Comes from the word la of God. Donc comment tu peux avoir la foi? So how can you say you have sans faith? Connaître la parole de yeah, Dieu. You don't know the word. C'est de ça qu'il est en train de parler. That's what he's talking donc, about. Donc ça fait qu'à longueur de journée on so prêche. All day long we are preaching. Vous êtes bénis. Say you are blessed. Vous avez la grâce de you Dieu. You have the grace vous of God. Puissant. You are powerful. Mais ça reste des slogans. But it's slogan. Parce que pour que ces choses se manifestent en vous, because for those things to be manifested in you, il faut que vous croissiez dans la connaissance. You have to grow in the knowledge. C'est cette connaissance là. That knowledge. Qui est l'engrais de la vie éternelle. It is the, c'est cette l'engrais comment on dit là ça. It's the thing that can make everlasting grow. Hein? C'est l'engrais, c'est comme le terrain que tu as déchiffré. It's like the field that you worked on, okay? You worked on that field. Donc j'ai compris. So I understood. Que si je veux arriver à un niveau de manifestation de gloire, if I want to get to a level of manifestation of glory, et permettre à la vie qui est en moi de se développer, and allow the life in me to develop, il y a certaines choses que je dois prendre au sérieux. There are some things I need to take seriously in my life. C'est pour ça que jeudi je faisais un live et puis je disais, you know, on Thursday I was doing a live, I was saying, la Bible dit dans le livre de Matthieu, the Bible says in Matthew, Matthieu 22, je vais m'arrêter là à partir Matthew du verset 14. 22:14. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, for many are called, mais très peu d'élus, but few, very few are chosen. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a une élection qui se fait. Because there is a selection that is made. Qui se fait de façon naturelle a à cause natural de ta selection disposition. Because of your availability. La Bible dit que Jésus, avant de donner ça, a donné une parabole. The Bible said before Jesus gave that word, he gave au verset 2, il dit le royaume de Dieu est semblable. He said the kingdom of God is like un roi qui fait les noces pour son fils. A king, you know, celebrating. Il invite les gens. A marriage for his il son. Invite people. Ses invités. He called his guests. Ils sont pas venus. They did not come. Maintenant, le verset 5 dit. Verse 5. Il dit, they made light. But they made light of it. Of it. And went their ways. Arrête-toi là. Pasteur Moses, they made light they of made the light, invitation of God. They made light of the invitation of God himself. Ils ont pris à la légère. They took it lightly. La connaissance qu'on leur prêche ici. The knowledge that they are receiving here. Tu veux être béni, on dit regarde, you il n'y a pas deux moyens. They say si no two c'est l'argent que tu veux béni, paye tes dîmes et tes offrandes. Pay your tithes and offerings. They take it lightly. On dit si tu veux they prospérer, say, you wanna il y a prosper, un chemin there is a way. Si tu veux voir Dieu se manifester, you wanna see God be manifested in your life, there is a way. But they took it lightly. C'est dangereux. It's dangerous. De prendre ta vie chrétienne à la légère. To take your Christian life lightly. C'est dangereux. It's a dangerous thing. Et la Bible suivante dit, and they went their way. Ça veut dire que eux ils marchent avec Dieu de la manière dont so ils they veulent. Went their way. So they walk with God the way they want to walk. They do their own things. C'est pour ça qu'il dit, il y a beaucoup d'appelés. And why he said, many are called. Il y a très peu de. But very few parce are chosen. Élu, tu dois because to be chosen, you must take the things of God very seriously. Il dit si ces choses sont en vous. Say, if those things are in you, tu ne peux pas être stérile. You cannot be barren.
tu ne peux pas ne pas porter de fruit. You cannot not bear fruit. Et le fruit, tu sais c'est quoi? You know what the fruit is? C'est que le fruit est un signe de ce qui a grandi. The fruit is a sign of something that grew in you. Le fruit. Fruit. C'est un signe de quelque chose qui a grandi. It is something that grew c'est in you. C'est quand l'arbre s'est développé qu'il porte des fruits. It's when the tree is actually mature that it can bear fruit. Et les fruits, ce n'est jamais pour l'arbre lui-même, and c'est pour fruit, les. And fruit, the tree itself cannot eat the fruit. Somebody else has to eat the fruit. Et le fruit, c'est quelque chose qu'on voit. And the fruit is something we can see with our eyes. C'est un eyes. Signe de maturité. It is a sign of maturity. Lorsque le fruit est pourri. When the fruit is rotten, il se détruit à l'intérieur. It gets destroyed on the inside. Ça veut dire que tu ne peux pas toi-même. You yourself. You yourself. Je veux qu'on comprenne. I just want us to understand. C'est juste mon introduction. On va rentrer dans la connaissance. We're gonna go deep into the knowledge. La connaissance de Dieu. The knowledge of God. Ça commence par une intimité avec Dieu. It starts with intimacy with God. Il dit, he said, notre communion, our communion, c'est la même communion que nous voulons que vous ayez. Mais 1 Jean, 1 John, 1 Jean 1 qu'on a lu, 1 John 1, il dit au verset 3, je crois, verse 3, il dit, la communion que nous avons, the communion that we have, c'est ce que nous voulons partager avec that's vous. That's what we want to share with you. 1 Jean 1, 1 John 1, verse 3. Il dit, ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annoncions, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. That you also may have fellowship. Vous savez, au début, il dit, ce que nous avons vu, la vie éternelle qu'on a touchée, on a manifesté. Everlasting life we've seen and manifested. Nous vous l'annonçons aussi. We announce it to you. Afin que vous soyez en communion. C'est-à-dire, on soit so that you might même, be in communion, okay? So we'll be in the same spirit. Maintenant, il dit, nous, notre communion. Now he said, our communion. C'est avec le Père. It's with the Father himself. Et avec son Fils. And his Son. Écoutez-moi bien. Listen. Vous avez la vie éternelle. You already have eternal life. Sans communion avec Dieu. But with that communion and intimacy with God. Elle reste embryonnaire. It remains a seed. Lorsqu'elle reste embryonnée, when it remains a seed, elle reste juste un slogan. Dans it's moi. A slogan in your life. Vous allez, la religion va prendre le religion will take place in your life. Votre vie sera l'ombre de ce qu'elle doit être. Your life will just be a shadow of what it's supposed to actually be. Cette vie-là, c'est that life. Elle naît de la communion avec is Dieu. Is born of the communion with Jesus Christ, with God quel Himself. Est le temps? Tu as le temps pour tout. You have time to do everything else. Mais pas pour ta communion. But you don't Dieu. Have time to have communion with God. Ce n'est pas dans la bouche. It's not just in your mouth. C'est dans la pratique. Il dit, faites un effort. Every day, he said, with all diligence, giving all diligence. Faites tous tes efforts. Making all your efforts. Sinon, ça va rester embryonnaire. Otherwise, it will remain a seed. Si une femme est enceinte, if a woman is et pregnant elle ne mange pas, and she doesn't eat, on va lui dire, hey, they will say, hey, à 9 mois, at 9 months, ou bien à 6 mois, or at 6 months, l'enfant doit prendre ce poids. The child is supposed to have this il weight. Il doit avoir cette taille. This height. Ok? Donc, si il ne mange pas. So if the child is not being fed, il pourra pas se développer. He cannot develop. La Bible dit. Bible says. Dans le livre de Colossiens. Colossians. Colossiens 3 verset 9. Colossians 3 9. Il faut noter ce verset. Colossians 3 9. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous dépouillant du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10 plutôt. Verse 10. Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau. And have put on the new man. Qui se renouvelle. Who is renewed. Se renouveler là, c'est pas quelque chose de changer. Non, you non, know, non. To be renewed, it's not changing like il that. Is renewed in the knowledge. Ça veut renewed dire que in knowledge. Il grandit dans la connaissance. Renewed in knowledge. C'est dit, le nouvel homme que tu as reçu. That new man you've received. Il grandit. He grows dans la connaissance. In knowledge. Et according to the and image. He grows according to the image of him. Ça veut dire que plus l'image de Jésus que tu as dans ton esprit. The more the image of Jesus Christ you have in your mind is actually clear. Plus toi-même.
the more you yourself, ton image va commencer à transformer. Your image will be transformed. Frère, brethren, la vie éternelle c'est une réalité. Everlasting life is a reality. Dimanche prochain on va parler du Saint-Esprit. Next Sunday we'll talk about the Holy Spirit. Everything the Holy Spirit does is to bring this life to reality. Si tu ne comprends pas, if you don't understand, que tu as un travail à faire, that you yourself you have your responsibility. Par ta communion. Je dis, j'ai juste touché la communion. Just your communion with God. Il te sera impossible. It will be impossible de développer cette vie. To develop eternal life. And if eternal life is not developed in your life, people would experience things that you cannot experience. You know, we have gotten to a level where our source is spiritual. There are things we have, we wonder, how did we get those things? We cannot explain to you how things are happening and coming in our lives. It comes from the knowledge you have of Jesus Christ. I invite you to go back. Go and seek the Lord. Get to know Jesus Christ. Otherwise, your life will just be up and down all the time. Vous serez frustré. You will be frustrated. C'est normal que la personne parle comme elle parle. That's why this person is talking. It's normal for this person to talk like this. Elle connaît pas Dieu. They don't know God. Quand tu connais Dieu, when you know God, il y a un langage qui se, qui there sort. Is a language that comes. Il dit quand j'étais jeune. C'est when I was young. Enfin, j'ai pensé. I spoke like a child. I thought like a child. Je réfléchissais. You know. Mais quand j'ai grandi. But now that I have grown. J'ai fait disparaître de tout ce qui était de l'enfant. All the childish things have to go away. La connaissance de Dieu fait disparaître tout ce qui est de l'enfant dans ta vie. The knowledge of God made every childish thing disappear. C'est elle qui te donne d'affronter la vie et cette The knowledge of God will allow you to face life with the challenge, with conviction. Que toute chose concourt au bien de that all things works for good of those that love God. A dimension de multiplication. Of multiplication. Que l'Éternel vous bénisse. May the Lord bless dans you. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Alléluia. Avant de partir, je veux qu'on prie. Let us pray. Frère, ça ne sert à rien de upgrade tout dans ta vie sans upgrade ta connaissance. It is useless to upgrade everything, but you don't upgrade your knowledge of God. Ça ne sert à rien d'upgrade tout dans ta vie. It's useless to upgrade everything without your relationship with God. Tu as le zèle pour tout. You have the zeal for everything. Mais pas pour Dieu. But not for God. Pas pour prier. Not to pray. Tout ce qu'on prêche, tu prends à la légère. The thing we preach, you take it lightly. Tout ce qu'on te dit, ça ne t'affecte pas. The thing people are saying, you don't consider. Tu as ta propre manière de voir. You have your own way of seeing, doing things, seeing C'est things. C'est parce que tu vois de cette manière que tu vis ce que tu vis. Because you see that way, that's why you are experiencing what you are experiencing. C'est que tu expérimentes dans ta vie de tous les jours. What you are experiencing in your everyday life. C'est le signe des choix que tu as fait. Sign of the choices you've made. Il est encore temps. It's still time. Dis Seigneur, Lord, je veux te connaître. I want to know C'est you. C'est pour ça que Paul a dit. That's what Paul ce said. Ce qui était pour moi comme un gain. What was for me as a gain. Je l'ai vu comme la boue. I saw it as mud. Pour l'excellence de la connaissance de Christ. For the excellence of the knowledge of Christ. Ah Seigneur, je veux te connaître. Lord, I want to know je you. Je refuse de faire la religion. I refuse to Je do religion. I want to know you, Lord. Cette connaissance personnelle et profonde. That personal knowledge. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Lord, I want Je to know you. Je veux expérimenter. I want to experience. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Lord, I pray in Jesus' name. Que ce matin, that this morning, une colère sainte anime les cœurs de tes enfants. A holy anger will be in the heart of your afin children. Afin qu'ils cherchent à te connaître. That they will seek to know you, Lord. Pour activer cette vie qu'ils ont reçue. To activate that life. Que cette vie soit baignée dans la connaissance de Dieu. That they will have knowledge of God. C'est cette connaissance qui donne à cette vie de commencer à respirer. Knowledge that can allow them to breathe again. Et à se manifester dans tout
tous les domaines de leur vie. And be manifested in every area dans of their lives. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus' name. Seigneur, nous avons reçu la vie éternelle. Lord, we've received everlasting life. C'est un fait, c'est une réalité. It is a fact, a reality. C'est cette dimension divine en nous qui doit s'exprimer. A divine dimension that must be expressed. Mais elle commence par la connaissance. It starts with knowledge. Elle commence par notre intimité avec toi. Our intimacy with you. Seigneur, je prie. Lord, I pray. Que tu bénisses tes enfants. Bless your children. Et que tu te révèles à chacun d'entre nous. Reveal yourself to dans them. Le nom puissant de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.